voit la mer de la chambre de la petite. C'est ici. Oui, je m'en doute. Alors, bien dormi, ma chérie? Super, c'est trop chouette la caravane, ça fait comme dans un bateau. Mais sans le mal de mer. Tu vas voir, on va être bien ici. Bon, déjeune, et puis tu iras voir la plage pendant qu'on range. Chouette! Une histoire. Alors, qu'est-ce que je vais te raconter ce soir? Oh. Où est-ce que tu as trouvé ça? Quoi, ça? Ouais, ça. Tu sais ce que c'est? C'est un peigne à sirène. Un peigne à sirène? Exactement. Et c'est très très rare. Je vais te dire un secret. Mais ne le répète à personne, d'accord? Promis. Ce camping, je ne l'ai pas choisi par hasard, tu sais. Autrefois, ici même, vivait une sirène qui s'appelait Helga. Ici? Dans ce camping? Non, non, dans la mer, là, juste en bas. Moi, j'aime pas beaucoup les sirènes. À part tomber amoureuse, elles ne servent pas à grand-chose. Oh, mais si les sirènes séduisent les marins, c'est pas parce qu'elles les aiment, mais c'est pour les manger. Ah bon? Oui. En plus, Helga n'était pas une sirène comme les autres. D'abord, elle chantait faux. Mais vraiment très faux. Pire que ta mère, c'est tout dire. Mais pourquoi elle chantait alors? Une sirène, ça chante. C'est son boulot. C'est comme ça qu'elle attrape des marins. En tout cas, elle chantait tellement mal qu'autant te dire que des marins, elle n'en attrapait pas souvent. Dès qu'il l'entendait, il se bouchait les oreilles. Alors elle devait hurler et ça provoquait des cataclysmes, des tempêtes, des tremblements de mer. Et tout le monde en avait marre de cette sirène. La pauvre. Ouais. Surtout qu'elle ressemblait plus à un thon qu'à une sirène. À croire que sa mère avait fricoté à droite à gauche et que... Comment tu sais qu'elle vivait là, les sirènes? Oh, mais ici, tout le monde sait bien qu'avant, il y avait plein de sirènes dans le coin. Tiens, sinon, pourquoi tu aurais trouvé ce peigne? Oui, mais celle qui chantait mal, Helga. Parce qu'il y a eu beaucoup de tempêtes dans le coin et on parle particulièrement de cette sirène. Et parce que c'était elle qui causait toutes ces catastrophes. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, on ne sait pas très bien. Mais si on cherche, on devrait trouver des indices. Moi, je crois qu'on devrait partir à la recherche d'objets de sirène, comme les archéologues. C'est quoi un archéologue? C'est quelqu'un qui trouve de vieilles choses pour comprendre comment les gens vivaient avant. Comme des chercheurs de trésors. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, tiens, regarde ça. Eh ben ça, c'est typiquement un objet de sirène. C'est pour attraper les petits poissons. Ah bon? Ça mange aussi les poissons, les sirènes? Normalement, ça mange plutôt des marins. Mais...
comme Helga arrivait rarement à en attraper un, il fallait bien qu'elle trouve autre chose à se mettre sous la dent. Alors elle faisait un peu de braconnage. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un truc de la sirène? Non, ça c'est un truc de marin. Tu crois qu'on va tenir combien de temps comme ça? Bon, c'est pas si mal ici. Le bon air, la mer... Tu veux rire? Et pour Louise, tu crois vraiment que c'est une seule... Mais Louise, elle a pas l'air malheureuse. Papa! Oui, Louise? On y va? Ça alors? Incroyable! Qu'est-ce qu'il y a? Un hippocampe d'or! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme une médaille, les sirènes ne s'en séparent jamais. C'est même à ça qu'on les reconnaît. En plus de la queue, évidemment. Mais ça sert à quoi, alors? C'est un objet d'une grande importance pour les sirènes. C'est comme une carte d'identité. Par exemple, si une sirène ne faisait pas bien son travail, si elle ne mangeait pas assez de marins, alors on lui retirait la médaille. Et là, les conséquences étaient terribles. Quand les sirènes n'ont plus leur médaillon, elles ne sont plus utiles. Alors elles disparaissent. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé de corps de sirène. Et tu sais comme Helga n'attrapait pas de marins. Elle risquait bien de perdre son hippocampe. Louise, tu sais, la semaine prochaine, c'est la rentrée. Oh non, on rentre à la maison alors. Non, tu vas aller à l'école d'ici. Chouette! Et papa, il retourne pas à son travail? Non, non, il n'y retourne pas. Écoute, tu sais, Louise, ici, on n'est pas... Papa, tu es content de rester ici? Mais... Oui, et toi? Maman, elle dit que c'est pas une vraie maison et que tu n'as pas de vrai travail. Mais alors, c'est pas un vrai métier, archéologue? Si, si, mais c'est un métier spécial. Moi aussi, je serai archéologue de sirène quand je serai grande. Tu sais, la date fatidique approchait et Helga commençait à paniquer. Elle voyait qu'elle n'avait pas rempli son quota de marin pour l'année et elle s'est dit qu'elle devait tenter le tout pour le tout. Alors, elle s'est procuré ça. Un vieux téléphone. Mais non, c'est un ondulateur de champ. T'es sûr? Oui, je t'explique. C'est un appareil assez sophistiqué qui est censé rectifier la voix des gens qui chantent faux. Tu vois, si tu appuies là, ça se met en marche et tu as plusieurs positions. Rock, classique, samba, etc. Helga, c'était l'opération de la dernière chance. Sinon, elle perdrait définitivement son boulot de sirène et serait condamnée à disparaître à tout jamais. Mais comme d'habitude, ça a tourné à la catastrophe. Plus personne ne voulait de cette sirène inutile et dangereuse. Mais qu'est-ce qu'elle a fait alors? Alors, elle a trouvé refuge dans un vieux bateau tout déglingué. Tiens, comme celui-là. Mais le pire, c'est qu'elle commençait déjà à disparaître. Ses membres devenaient transparents depuis qu'elle avait perdu l'hippocampe. Troisième grève générale depuis le début de l'année, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues pour protester contre un plan de rigueur économique supplémentaire. Pourquoi tu lui as raconté ça? Tu crois pas que c'est suffisamment dur pour moi? Et pour moi? C'est pas dur peut-être? On peut pas rester ici, tu comprends ça quand même? Tu veux qu'on aille où? On a plus de quoi s'offrir autre chose. C'est pas en restant ici que les choses vont s'améliorer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
fasse. C'est pas faute d'avoir cherché. Y a rien. Rien. Alors, il est peut-être temps d'aller voir ailleurs. Ouais, où ça? Dis-moi où. Mon père m'a dit qu'il y avait moyen de... Ah non, pas chez eux. Je le supporterai pas. Mais qu'est-ce que tu leur reproches à la fin? S'en aller. Où ça? On va chez papy et mamie. Pour les vacances? Non. On part demain, pour de bon. Mais pourquoi? Je veux pas m'en aller, moi. Et papa, il dit qu'il aime bien ici. Pour l'instant, papa ne viendra pas avec nous. Mais peut-être qu'il viendra après. Si papa y vient pas, alors moi non plus. Écoute, Louise, tu ne comprends pas, mais c'est assez compliqué. C'est toi qui comprends rien. Oh, Louise! Louise! Quoi? Je veux pas aller chez papy et mamie, je veux rester avec toi. Louise, je crois que ta mère a raison, tu seras mieux là-bas. Non, c'est moche. En plus, papy pique et mamie, elle pète. Et puis, c'est pas ce qu'il y arrive à Helga. Eh ben, elle a commencé à disparaître et plus personne ne l'a jamais revue. Voilà. Ça s'est pas fini comme ça, c'est nul. Une sirène qui sait pas chanter, ça sert pas à grand-chose, alors ça disparaît. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas vrai, c'est Helga, c'est une sirène. Moi, je veux pas que les sirènes, elles disparaissent. C'est tout. Bon, écoute, Louise, fiche-moi la paix. Elle est où, Louise? Elle est pas avec toi? Non, elle est pas rentrée. Louise! Louise! L'histoire d'Helga. Descends, je vais te la raconter. Alors qu'Helga était en train de disparaître, un gros bateau de pêche est arrivé pour attraper tout ce qui vivait sous l'eau. Les poissons étaient capturés par centaines. C'était la panique totale. Helga ne savait pas quoi faire. Après tout, les poissons n'étaient pas ses amis, mais les marins non plus. Et c'était son monde qu'ils détruisaient. Elle devait au moins essayer quelque chose. Sinon, elle se disait qu'elle n'aurait vraiment servi à rien. Alors elle est partie faire ce qu'elle savait faire le mieux. Elle a chanté aussi fort qu'elle pouvait. Elle n'avait jamais chanté aussi fort et aussi mal, ce qui provoqua la plus énorme des vagues qui ravagea tout sur son passage. On n'a jamais su ce qui était arrivé à la sirène. Plus personne ne l'a jamais revue. Toujours d'énormes tempêtes de temps en temps. Alors on se dit qu'elle doit chanter quelque part.